Coucou mon ami, coucou à vous tous, bonjour, 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 salam, salam, salam alaikum, mon ami. Mon ami, voilà. Mon ami, on s'approche de Noël. On s'approche de Noël, on s'approche de Nouvel An. On s'approche de Nouvel An, dans quelques jours c'est Noël, dans quelques jours c'est Nouvel An. Ah, mon ami, Laïla. Mon ami, rappelez-vous encore, mon ami, j'ai parlé de nos enfants, de nos enfants qui tombent enceintes à 16 ans, et nos enfants qui tombent enceintes à 17 ans, et les blancs, ils appellent mère-fille. Les blancs, ils appellent mère-fille. Mon ami, c'est le moment, mon ami, c'est le moment. Vous qui avez des enfants à cet âge-là, 15 ans, 16 ans, 17 ans, mon ami, il faut faire très attention. Mon ami, il faut faire très attention. Parce que ce que moi j'ai vu, ce que moi je vois, mes amis, quand je fais mes enquêtes, mon ami, ce que je vis à la gare du Nord, ce que je vis à la gare de Châtelet, mon ami, c'est inacceptable, mon ami. C'est inacceptable. Nos enfants, mon ami, il faut veiller. Vos parents, veillez, il faut veiller, mes amis, il faut veiller. Nos enfants, ils sont jeunes, ils sont enfants, et ils sont dans la maison avec autres habits, mais quand ils sont dehors, ils ont autres habits. Nos enfants, ils sont à la maison, ils ont les lèvres, ils ont juste la bello. Mais quand ils sont à la gare du Nord, quand ils sont à la gare de Satilé, nos enfants, ils n'ont pas seulement la bello dans les lèvres. Nos enfants, ils ont rouge à lèvres. Nos enfants, sur les joues, ils ont fard à joues. Nos enfants, sur les trucs, ils ont crayon de beauté. Nos enfants, sur les petits CV, ils ont sourcils. Nos parents, on doit veiller. Nos parents, on doit veiller. Mes amis, si vous n'entendez pas ce que j'ai dit et vous ne faites pas ce que j'ai dit, vous serez surpris, mon ami. Vous serez surpris. La grossesse, c'est 9 mois. Moi, je vous dis, si vous ne faites pas attention, vous avez des enfants de 16 ans à la maison, vous avez des enfants de 17 ans à la maison, vous avez des enfants de 18 ans à la maison, que ça soit garçon, que ça soit fille, mes amis, si vous ne faites pas attention, là, on est au mois de décembre. D'ici le mois de septembre, on va vous appeler, tu deviens mamie, tu deviens papy, comme ça, parce que tu as négligé. Parce que tu as négligé, et pendant la fête, tu dis ton enfant, c'est bébé, il connaît rien du tout. Oh, mes amis, tu te trompes, mes amis, tu te trompes, mes amis, tu te trompes. Parce que nos enfants, ils voient tout. Nos enfants, ils voient tout. Sur Internet, ils voient tout. Même quand ils bloquent l'ordinateur, mes amis, nos enfants, ils regardent tout avec leur portable. S'ils n'ont pas de portable, mais avec leurs amis là, ils ont des portables, mes amis, fais attention. Tous parents, là, c'est la période des fêtes. Là, c'est la période des fêtes. Tu laisses pas les enfants éparpillés comme n'importe quoi. Tu laisses pas les enfants aller traîner de gauche à droite. Mes amis, je vous dis, gardino, j'ai toujours dit gardino, mes amis, gardino. Le plan, il a fait gardino pour faire correspondance. Le plan, il a fait la garde de Châtelet pour faire correspondance. Mais les Blancs, il n'a pas fait la gare du Nord pour faire des rendez-vous. Sauf si vous voulez aller à Château-Rouge, c'est tout à fait normal. Pour quelqu'un qui est dans les 91, et puis celui qui est dans les 93, ils ont le droit de donner rendez-vous à la gare du Nord pour aller à Château-Rouge, ou pour aller à Château-d'Eau, ou pour aller à Port-de-Clignancourt. Mais il n'a pas fait gare du Nord pour former les couples. Et puis quel couple, mes amis? Nos enfants, ils nous dépassent là, ils nous dépassent. Si on ne fait pas attention, nos enfants, ils vont nous dépasser et ils vont tomber enceintes. Et quand nos enfants, ils vont tomber enceintes, les garçons, tu vas voir, les garçons, il a 17 ans, mais il est complet dans ton corps, dans son corps. Nos enfants ici, aujourd'hui, elle a 15 ans, nos jeunes filles, elle a 15 ans, elle est déjà complète. Donc, il ne faut pas dire que ton enfant, ta fille, elle est encore fille, oui, mais elle est déjà complète. Donc, si tu ne fais pas attention avec ta fille pendant la période des fêtes, là, en plus, la SNCF, il va mettre le transport est gratuit, train gratuit, bus est gratuit. Ça, là, ça va arranger, ça les excite.
Quand c'est comme ça, les enfants, ils sont excités. Et papa, je vais sortir. Maman, je vais sortir. Et là, nos enfants, là, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Quand tu leur interdis quelque chose, la seule chose, ils disent, oh, mais maman, t'inquiète. La seule chose qu'ils trouvent à nous dire, ou s'ils ne disent pas t'inquiète, je sais pas. C'est à nous parents de faire attention, mes amis. Moi, je fais correspondance entre la gare de Magenta et la gare du Nord. Ce que mes yeux voient, mes amis, vous qui êtes parents, si vous voyez ça, c'est dégueulasse. Je vous dis, c'est dégueulasse. Tu vas pas voir un enfant blanc dedans. Non. Si j'ai dit enfant blanc, j'ai gâté le nom des blancs. Tu vois que les enfants de nos enfants noirs, je vais dire, noir, sa langue de bois, nos enfants noirs, ils font des couples là-bas. Attends, normal, ils font des couples là-bas. Les enfants, ils connaissent pas l'hôtel, hein? Ils connaissent pas l'hôtel. Les hôtels aussi, c'est là-bas, je vous dis, c'est là-bas. On est en pleine période de fête. Et para qui va pas faire, attention, para qui va pas écouter mes conseils, mes amis, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, alhamdulillah, août, septembre, s'il ne devient pas mamie, il va devenir papi. S'il ne devient pas papi, il va devenir mamie. Ah bon, attendez, hein? Salut.